Allez, on est reparti. Alors, il me semble, bah justement, Heisenberg Factory, on a l'usine d'Heisenberg. Bon, une petite gorgée. Ok. Alors, hop, attendez deux petites secondes. Je fais un petit truc. Il semblait que c'était comme ça. Normalement, j'ai réglé le problème son. Normalement, je dis bien. Je dis bien, il me semble. Normalement, c'est good. J'écoute le retour là. Ok, ben, c'est parfait. J'ai l'impression que même vous, vous allez mieux entendre du coup. Ou mieux entendre. Hop. Ok. Alors, niveau balle, on est extrêmement bien, il me semble. Parfait. Ah, Ethan Winters. Bienvenue. Je n'imaginais pas que tu survivrais à Donna et Moro, mais je suppose que tu en as vu d'autres en Amérique, n'est-ce pas? Oui. Je t'aime bien. J'aimerais discuter avec toi de Rose et de Miranda. Je sais pas s'il y a des trucs. Allez, entre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas un piège. Qu'est-ce que tu prépares? Il a dit que c'était pas un piège, on lui fait confiance. Des grosses barres. Ok, faut que je rentre là, mais y'a pas autre chose. Y'a rien à foutre. La carte, y'a rien. Ok, non, y'a rien. Non, bah ils ont rien mis, à part le petit bout de ferraille que j'ai récolte. Ok. Ok, il n'y avait que de la poudre. C'est pas là? C'est là? S'il n'y a rien. Ok, good. Je comprends pas trop là. Pourtant, c'est la seule route, non? Ah. Putain, mais c'est quoi ça? Mia? La vérité fait mal. Laisse-moi deviner. Tu comptes m'éliminer comme les autres, comme ça tu pourras sauver Rose, c'est ça? Je veux guérir ma fille. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler, là. Arrête-moi ce boucan! Désolé. Assieds-toi. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est un jeu? J'ai dit assis! La grognasse avec son gros cul. La folle avec sa poupée. Et ce monstre débile. Tu saisis pas? C'est un test. Pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai aucune envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi, mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça? Tu me tues et tu prends ma place? Allez vous faire foutre! Et si tu savais comment je m'en tape de tes problèmes? Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. J'y
Je te jure, du coup, c'est la dernière fois. Pourquoi je sens qu'il va nous faire tomber? Je le sens gros comme une patate. Toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Claire n'a été précis. Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? Je prends le risque. Tu l'auras voulu. Un cul-de-sac. Pas le choix. Ok. On a réussi à se tailler. C'était quoi cette horreur? Ok, on avance tout doucement. Enfin, les trucs à choc, mais ça doit être là au-dessus, lui. J'ai dû louper quelque chose. C'est obligé, j'ai loupé quelque chose. Oh non. Yo Viper, comment vas-tu? Eh ben, j'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose. Ça doit être difficile de voir là par terre. Ouais, c'est pas grave. Ah bah écoute, ça va très bien, hein. Ça va très bien. Tranquille, tranquille. Ça te dit de jouer après? Ah bah tant mieux. Putain, hein. Je suis où là? Tant mieux. Il faut que je remonte. On va toujours avoir la bonne santé. S'échapper de l'usine. Bienvenue, Ethan. Alors, dis-moi que je peux refaire... Ah, atelier. Bazar. Je fais un coup d'œil à mes derniers articles. Félicitations. Avec ouais, ça, vous ne passerez plus chaud. Jamais à côté de rien. Je fais juste l'usine là, pour dire de faire mon petit tournage. Et puis après, je vais sur DBD. En plus, ah bah parfait. Parfait. Capacité. Ça c'est pas grave. Alors, oula. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Ça.
Un instant, je vous prie. Ouh là là, il va faire mal, lui. Oh, lui, il va faire mal. Ouais, je viens de réinstaller Fortnite. Ah ouais. Quoi? Tu vois, moi, je suis pas trop fan de Fortnite. Avant, j'étais à fond dedans. Hein. Et bon, c'était avant. Mon pote de collège. Ça. Ah, ouais, ok. Ouais, forcément. T'as pas de bol. Bah là, je pense que ça va aller. Hein. Full puissance. 80 000, ça coûte un peu des fesses. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. Ok, hop. Oh, vous m'apportez quelque chose de spécial. Je peux le faire. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. Et je le fais pour une somme modique. Ah ouais, ok. Ça, c'était avant. Je vous souhaite de faire bonne route. En tout cas, pour ma part. Je peux pas. Ok. Alors, ok, il y a rien ici. J'ai bien envie de jouer à DBD. Alors là, ça, je vais pouvoir l'ouvrir de l'autre côté, à mon avis. Je dirais qu'il n'y a pas de courant. Ok. Putain de labyrinthe ici. Ah, faut mettre un truc. Ok. Ok. Bon, on va aller là en premier. Il faut accrocher. Super. Pourquoi je sens que ça va être un piège, lui? J'aime pas ça. C'est quoi ça? Moule de relief. Ah bah c'est exactement ce qu'il me fallait en plus. Ok. Non mais ça. Je m'en doutais. Ah ouais, c'est vrai, il se protège comme ça aussi, ceux-là. J'avais oublié, ils étaient un peu balèzes quand même, ceux-là. Ok, donc ça c'est fait. J'ai déjà un truc de relief. Un moule à relief. Parfait.
lièvre du cheval. Ça semble utile. Ceci ? Je te voyais pas. Ouais, c'est parfait. Ok, on me débloque un mur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ah ouais, c'est parce que là, il y a un crochet. Ouais, ok. J'ai cru qu'il allait me faire peur. J'y ai cru, hein. Ah ça, faut toucher tous ces trucs là, je crois. Il y a encore un crochet ici. Il me faut une clé cheval, je pense. Je pense. Ok. Ok. Ah merde! Merci l'autovisé. Merci l'autovisé. J'aurais dû l'enlever l'autovisé. Ah ouais mais non. Je vais garder mon pistolet. Faire défoncer là. J'ai pas tout eu. Ah mais ça commence d'ici, à mon avis j'ai loupé un truc là. C'est pas grave, je reviendrai plus tard. On va revenir. Alors je suis trop con de m'être soigné alors que j'en ai absolument pas besoin. Ok, donc cette partie là. Ok, c'est parce que j'ai changé d'étage du coup. Depuis l'autre côté. D'accord. Et je vois un bout de relief machin. Oh, il y a des monstres à gauche. Ok, j'ai ouvert ici. C'est ok. Je suppose qu'ici il faut le faire péter. Yes, mécanique. Ok. Il manque une pièce. Alors. C'est ça en plus, non? Je suis sûr. La merde. Je dois être fou, hein. Clé, 20 nivelles, volant de pluie. Je viens pas de ramasser une pièce mécanique. À mon avis, il doit manquer quelque chose à la pièce. Du coup. Bah, c'est vrai que ça aurait été un peu trop simple. Plan de l'usine niveau intérieur. Ok, poudre noire. Ah bah voilà.
Parfait. Qu'est-ce que j'avais dit? Là, je sens qu'il y en a qui va se réveiller. Putain, le bâtard! Le pire, c'est que je m'en doutais. Hein. J'ai presque plus de balles de pistolette. Putain, il m'a fait peur l'enculé. J'ai fait un de ces bons. Le pire, c'est que je m'en doutais, mais j'ai quand même peur. C'est dingue. C'est dingue. Je sais même pas où la mettre, cette truc bidule chouette. Là, c'était cheval. Ah! Attends, peut-être qu'il faut que je les assemble là du coup. Non. Objet de valeur. Ah, c'est un objet de valeur! Ah! Merde, je sais plus par où il faut. Non, je vais revenir en arrière là, oui. Faut que je passe là. Ouais, cet enfoiré m'a fait peur. Ah ok, c'est ça. Ah, j'ai réactivé tout le courant. Eh merde. Oh, Ethan. Quelle déception. Je m'en doutais. Je pensais qu'on pourrait unir nos forces contre cette salope de Miranda. Je suis vraiment, vraiment déçu. Ok, parfait, 5 balles de snipe. La même ici. Je dois loucher, les gars. Je dois loucher. C'est sûr, je louche. Encore une fois. Je louchais. Effectivement. Bon, ça m'arrive souvent. Tranquille, tranquille. Donc ça, c'est fait.
Bon là, vous faites chier. Allez, ouvre-toi. Merci bien. Hop. Hop. Il y a encore des petits trucs. Hein. Je dois reloucher. Hop. Ah, ça se regonfle. Enfin, ça se réactive. Non, on commence pas comme ça. Comment vas-tu, tard la menace? C'est parmi nous. Bon, il nous manque quelques trucs. Ah, j'ai plus de balles de pistolette. Non, c'est fini tout ça. C'est fini. Planquer ce bordel. De la poudre noire, parfait. Encore des balles de pompe. Moi, je sens que ça va être un boss ici que je vais me faire enfermer. Encore un gros porc. Huh.
Ok. J'ai tout pris. Ok, parfait. Oh là là. Du coup, normalement, j'ai rallumé ça. Ah, ok. Donc là, je le rallume. C'est parfait. Nickel. Hop. Et du coup, on a le revendeur ici. Ok, est-ce que je peux lui acheter un peu de balles? Bienvenue, bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. Bienvenue, Ethan. Alors... Avoir faim, c'est être en vie. Tac, tac. Ah ça, je peux le combiner, je vais le garder. Comme toujours, une transaction honnête et équitable. Est-ce que t'as des balles de pistolette? Bon, ça coûte pas cher. C'est normal que vous soyez intéressé par cela. Ouais, je me doute. ok. Atelier, est-ce que je peux... Bon, après, j'ai plus trop de thunes. Ah, puis lui, je l'améliore à fond. Cadence de tir... Oh, ça, je m'en fous un peu, hein. Le plus important, c'est cela. Manger, c'est ok. Je vous souhaite de faire bonne route. C'est ok. Ok, donc là c'est ici. La porte elle est bloquée du coup. Il y a encore du chemin. T'inquiète, c'est rien. Pépouze, c'est Pépouze. Faut que je fasse gaffe quand même. Est-ce que on voit que dalle? Pour Miranda, nous ne sommes que des enfants. Oh, c'est pas qu'elle nous aime. Ça, non. Elle a perdu son humanité depuis longtemps. Je dois l'anéantir. Arrêtez de me saouler avec les histoires de famille. C'est des esclaves en fait ces trucs là, c'est un truc de ouf. Je m'en rappelle même plus de ça. Ça casse les boules que ils ont le casque, ça me fait tirer une balle de plus à chaque fois. Ah, il y a un crochet. Ok. Un bon petit crochet, ça fait plaisir. J'ai rien oublié par hasard. Il y a toujours un truc que je dois oublier. Après, la plupart, je ramasse. C'est pas comme si j'étais tellement perdant. Mais je vais pré-shoot. Attends, il doit y avoir un truc là, du coup. À mon avis, l'histoire elle se continue là-bas, mais là il doit y avoir quelque chose. Oh ouais. Oh là 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 là, ça m'a mis tellement bien. Ok, on est bien en balle de pistolette pour l'instant. Ça peut encore aller. Poudre noire.
balles de sniper, on les repoussait de ce qu'on a utilisé du coup. Un autre modèle. Allez, enlève ton bras, enlève ton bras. J'étais sûr qu'elle allait me toucher. J'ai fait de la merde. Ah mais je suis nul. J'ai carrément fait de la merde. Bon c'est rien parce qu'en vrai on a patate de vie. Hein. On a vraiment patate de vie. Mes balles de pompe pour l'instant. Ah, je me rappelle. Faut que je redescende tout. Ah là 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 là, ça c'était le bon vieux temps. Hop. Y'a pas moyen que si je m'abaisse. À l'aise. Eh mais je crois qu'il y en manque un. Voilà. Parfait. Attendez, hein. Hop là, allez. Il nous reste deux chargeurs du coup. Un qui est dans le fusil et un pour recharger. C'est la merde. Autant vous dire que c'est vraiment la merde. Désolé, là je suis à fond dans l'histoire, j'ai pas envie de lire. Ah. Ah non, faut que je vais là. Je me disais bien, je pouvais pas sauter. J'allais crever. Par contre,
t'en vois pas Gringos. Ok. Où est-ce que ça va m'amener? Bientôt, elle commencera sa cérémonie avec ta rose. Si ça se produit, c'en est fini. Pour ta fille et pour tout le village. Mais ne t'en fais pas. Je l'en empêcherai. J'utiliserai Rose pour tuer Myrtle. Panda. Pauvre papa. Tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Tu veux Rose? Essaie un peu pour voir. Ouais, il veut Rose, mon copain. C'est vrai, j'ai oublié de fouiller ça. Ok, ça refile des... C'est carrément parfait, par contre, je me mets vraiment bien. Ça va. Par contre, il y a un truc ici. What? Ah ouais, je peux. Il y a un truc qui se connecte ici. Genre là. What? À mon avis, il faut que je prenne le lance-patate. J'ai vraiment tiré à côté. J'ai vraiment tiré à côté. J'ai trop le seum. Ah, ça continue. Le gaspillage, le gaspillage. Alors, que dois-je faire? Là, il me faut la clé. Et j'ai le moule de truc machin clé. Donc, à mon avis... Bon, en soi, on a presque tout fouillé, à part le premier étage, il est vraiment... dégoulasse. Ouais, t'inquiète, j'ai bientôt fini l'usine, donc à mon avis... j'irai un petit 20 minutes, même pas. Le temps que je fasse ça et le boss. Tu fais quoi, tu fais ce que t'as pas à faire, je crois. Bah, en gros, non, mais c'est parce que t'es... Tu connais pas Resident Evil aussi, bête la menace. C'est Resident Evil quoi. En gros, je dois me tailler de l'usine là en fait. Tu vois, je suis enfermé dans une usine et je dois me tailler. Et ça, c'est le vendeur. Tu vois. Lui, tu peux lui acheter des armes, améliorer tes armes, acheter de la bouffe. Enfin, non, pas de la bouffe. Tu peux revendre tes trucs aussi. Tu peux acheter plein de trucs. Enfin, tu peux améliorer tes armes. C'est... Et là, du coup, je dois aller tout en bas. Et c'est Resident Evil quoi. C'est. T'as plusieurs armes, c'est un inventaire. C'est le bordel dans mon inventaire. Ouais. Bon, ouais. Je rangerai plus tard. Est-ce que c'est bon état? Je sais pas. Ça a l'air galère. En vrai, ça va. Quand tu connais un peu les jeux, enfin le jeu, tu vois, quand tu connais un minimum, ça va. Ça va, ça va. Il y a pire, hein. Je peux te dire qu'il y a largement pire. Ok, donc si je monte d'un étage... Ah bah voilà, c'est l'étage au-dessus. Tu vois, t'as sniper, t'as pompe, là t'as... Ça c'est ton truc de sauvegarde aussi. Ah mais je crois que je suis Keblo ici. Je crois que je suis obligé de repasser par le premier. Ah, je suis trop con. Je suis Keblo. Je l'ai en plus sur le PC, hein.
J'ai pas encore commencé de game. J'ai pas encore commencé de game, je vais... J'y avais pensé en plus, hein. J'y avais pensé. Oh là là. Tu te calmes, monsieur, là. Non, mais t'inquiète, je connais bien là. T'inquiète que je le connais bien. Je le connais vraiment bien. Je l'ai déjà fini de fond en comble, là, celui-là. Si t'arrives à 200 heures de jeu dessus sur la PS3, dis-toi. Sur une PS3, mec. 200 heures. La fonderie. Elle est à l'étage en dessous. Ok, on est à la fonderie là, c'est parfait. Il faut que je mette le moule de clé. Et après je fais demi-tour. Rigoler. Et voilà. Cœur mécanique parfait. Ah, ok. Parfait. De tout est recherché. Merde, je crois que je suis pas parti du bon sens pour aller. Merde! Je suis con. C'est là qu'il faut que je vais. Non, c'est pas là qu'il faut que je vais. Oh, je pue la merde, je me suis perdu. C'est pas grave, je vais y arriver. J'y suis bientôt. Ça. Encore un. Je vais refaire la même chose. Hop. Il est pas mort. Hein. Voilà. Cœur mécanique parfait encore. Ça, ça vaut de la thune, ça. Ça, ça vaut de la thune. Je crois qu'il faut que je monte encore à l'étage là-bas dessus. Faut que je vais tout en haut. Là, je vais bientôt affronter un boss, tu vois. Heisenberg. Premier, puis mis Jarlouche. T'es vraiment un coriace, toi. Mais trêve de bavardage. Il est temps d'en finir. Si je peux avoir plein de trucs. Tu peux l'entendre, pas vrai? Il y a quelqu'un qui t'attend. Oh là 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 là, il me donne beaucoup de balles. J'ai un mini boss à affronter déjà. Avant lui. Un peu la flemme de lire. J'ai vidé la salle, c'est parfait. Alors lui, il me semble que c'est surtout le snipe qu'il faut que j'utilise. Et j'ai
46 balles. Oh putain de bâtard. Connerie, laisse-moi tranquille. C'était sûr. Château sûr. Là, il va se mettre à cracher des flammes, cet enfoiré. Ah, c'était sûr, je me suis enfermé avec mon maître de balle. Reviens pas! Ah, il est mort! Ok, bah parfait! Parfaitement parfait! Il est assez court hein, comme boss. Après, le snipe, mon snipe, je l'ai mis à fond. J'ai mis toutes mes thunes dedans. J'espère bien qu'il fait mal, ouais. Alors, j'avais vu un truc ici. Ah bah, 10 balles de snipe, je suis remboursé. Et à mon avis, il faut que je passe par ici. Ça m'a des trucs à prendre aussi. Cigare. Ah ok, je vais pouvoir le revendre je pense. Oh, flemme un peu, il va s'en replaindre. D'ailleurs je suis dans une salle de machines, mais tu peux pas utiliser les machines. C'est ok. Où est la logique? Pourquoi je sens que ça pue encore ici? Pièce détachée, j'en bats les rats. Pas mal, pas mal, Ethan. Tu es tenace. Mais j'ai une rébellion à mener. Alors ôte-toi de mon chemin. Déjà vu ma pote. J'ai un peu plus aussi. Faut toi remonter. Et du coup on va être en retard pour DVD. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ça. Je t'ai dit de laisser tomber, Ethan. Hey, tu nous gênes! Mes balles, sale chien! Qu'est-ce que ça peut te foutre?
tué ma femme, sale ordure. Tu crois que je tuerais Mia? C'était pas elle. C'était Miranda. Quoi? C'est une arme biologique. Elle a changé son apparence et elle s'est fait passer pour Mia. Apparemment, elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de moi? Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler! Cette mission est déjà assez dure sans avoir de civils dans les pattes. Mais pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe, putain? D'accord, Ethan. D'accord. Moi, je vais le défoncer. Je te dois une explication. Passe-moi cette clé. On n'a pas trop le temps de faire des réparations. En résumé, Miranda est complètement tarée. Et ce village, tous les monstres qui y habitent, c'est l'œuvre de sa vie. Une sorte de grande expérience sur la moisissure. La moisissure? Comme en Louisiane? Putain de merde! Et tout ce temps, moi, je pensais pouvoir sauver ma famille. Je peux pas sortir d'ici. Je peux rien faire! Non, pas forcément. Regarde ça. Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant. Regarde la suite. Rose, putain, faut qu'on y aille. Du calme, mes hommes surveillent la situation. Mais elle a ma fille. Je crois que tu saisis pas. Tout seul, t'as aucune chance contre Miranda. Je vais rester ici pour placer des explosifs. Prends cet ascenseur, je te retrouve en haut. Je te promets qu'on récupérera ta fille. Ensemble. Un peu qu'on va le faire. Et quand je trouverai Miranda, je lui ferai la peau. Très bien. Alors prends ça. Et rends-moi service. Te fais pas trop remarquer. Ok. Il va rester tranquille, lui, beau. Du coup, je dois monter dans cette merde. Est-ce qu'il y a des trucs à fouiller ici? Forcément qu'il y a des trucs à fouiller. Il y a une montaxe, hein. Tout ce qu'il y a à prendre, on prend. Et voilà, il n'y a plus rien. Ça, c'est quoi? Ça, on s'en fout un peu. Ouais, flemme. On va faire une petite sauvegarde au cas où. Hop. Ouais, maintenant. Je maintiens. Composite métal polymère. On va combattre le feu par le feu. Ah ouais, je vais carrément conduire ce truc. Excellent. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas comment défoncer de ça. Tu n'es qu'un misérable capable. Tu penses pouvoir m'affronter? Mia. Ce sera mon échauffement avant de tuer l'autre con. D'homme à homme. Ton cadavre rejoindra les rangs de mon armée. Et bien attaché. Fais tout ce que tu as. J'imagine que c'est la force de l'amour paternel. J'en veux plus. Hey! Oh, n'importe quoi!
sens passé. Je t'assure, rappelez-toi devant mon corps d'acier. J'imagine que je dois donner si à cette conne de Miranda pour ça. Je l'ai tuée avec le pouvoir qu'elle m'a donné. C'est ce que j'appelle être un bon fils. Tu sais, leur tour, Nathan. Fini de jouer. Succès déverrouillé. Ethan, c'était quoi ces explosions? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué Heisenberg. Maintenant, je vais trouver Miranda et récupérer Rose. N'y va pas sans moi. C'est trop dangereux. Attends-moi, d'accord? Ethan? Rose? Ethan? Ethan, réponds! Y a Rose là? Mia? Non, c'est pas Mia. Notre fille. Elle compte tellement, n'est-ce pas? Elle est tout pour moi. Pour moi aussi. Sans Heisenberg, tu n'as plus de piste. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, mais je vais sauver Rose. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Pauvre état. Qui es-tu? Où est Rose? Miranda. Ça suffit. Te souviens-tu d'Evelyne et de son pouvoir sur la moisissure? Rose est son successeur. Non. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyne. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Il me la faut à tout prix. Il va te faire foutre, pauvre taré! Calme-toi. Rose sera sauvée. Le Mégamycète nous garde tous en mémoire. Cependant, elle renaîtra comme ma propre fille. C'est ma fille, c'est pas la tienne! Où est-ce que t'es?
Montre-toi! Pourquoi Rose est-elle si spéciale? Est-ce à cause de ses parents? Il est vrai que tu es un cas à part, mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Miranda, espèce de lâche! Allez, amène-toi! Ne t'inquiète pas, Ethan. Ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Megamycète. Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard. À l'aube prochaine, la cérémonie sera achevée et je deviendrai alors sa vraie mère, liée pour l'éternité dans le sang. Elle vient de m'écrabouiller le cœur. Ça fait vraiment pas plaisir, hein. Moi je vous j'ai le dis. J'ai attendu si longtemps. Ça fait pas du mon tout plaisir. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers Rose, je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant. Ok. Est-ce que j'ai un point de sauvegarde? Capitaine, je vous confirme qu'Ethan Winters est bien mort. Dites-moi que j'ai un je n'ai pas pu récupérer le corps, mais j'ai des preuves, tout est enregistré. Partageons nos écrans, que je t'explique la situation. Avec mon équipe, on a été imprudents. Hier, on a lancé l'assaut sur Miranda. Mais elle a survécu. Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre? Comme Miranda aurait pu infecter Ethan, j'ai décidé qu'on l'emmène aussi, en plus de Rose. Mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué. Quand je suis arrivé sur les lieux, Ethan et Rose n'étaient plus là. La dernière fois que j'ai pu contacter Ethan, j'ai entendu Miranda. Elle l'a tué. Et je jure qu'elle va payer pour ça. Bordel, ça s'arrêtera quand? Il est quand même bien fait ce jeu, putain. Quoi donc? La mission? Tout ça... 3 ans à essayer de mettre fin à cette merde. 3 ans de trop. On l'aura, capitaine. L'escouade est prête. Lui fume sa clope tranquille. Comme si de rien n'était. Le BSA est déjà là. Ils ont pas perdu de temps. On change nos plans? Non, on fait ce qu'on a dit. Faut que je puisse sauvegarder. On élimine Miranda et on sauve Rose. C'est la mission. L'échec n'est pas une option. On va enfin pouvoir s'amuser, comme au bon vieux temps. On y va. Compris. K9, je veux savoir ce que le BSA a foutu ici. Vois ce que tu peux trouver. Compris, je m'en occupe. Ça fait un bail qu'on s'était pas battu ensemble, capitaine. C'était quand la dernière fois? Le désert? À force de faire de la reconnaissance, j'ai perdu la forme. Ouais, mais grâce à ça, on sait ce que Miranda mijote. N'empêche, j'en reviens toujours pas qu'elle ait pris l'apparence de Mia. Et le fait qu'elle ait encaissé 5 tirs dans la tête, on en parle? Flippant. On a vu, j'ai trouvé un truc pour sauvegarder, là, d'ici peu. Ok, là, c'est carrément l'assaut, là. Par contre, il galère un peu à courir, hein. On va pas se mentir. Alpha, regardez ça. Le BSA. Ok. Ils vont trop loin. Quelle bande de trous du cul. La vache. Ça a l'air chaud là-bas. Comment comptez-vous atteindre l'objectif? D'abord, il faut se débarrasser de ce truc. Je vous couvre, capitaine. Au travail. Faites tous attention aux armes biologiques. Compris. Contact établi avec un groupe d'armes biologiques. Ils sont plus nombreux que prévu. Attention.
route ouest dégagée. J'y vais. Bien reçu. Ok, je pense regarder ici, je pense. Appareil du BSA à repérer. Deux gardes. Je peux m'en charger. Pas de risque inutile. Si je fais quitter la maison. Bah écoutez, c'est pas grave, sinon je le referai en off s'il manque un petit passage. Voilà, parce que sinon ça va faire beaucoup trop de temps. Ok. Et ben voilà, c'est la fin. Ce let's play. C'est la fin. Du coup, je vais relancer un live dans 5 minutes. Je vais juste prendre une petite pause. Tranquillement, 5 minutes. Et je lance DBD directement. Donc Viper, et ben je te MP. Hein, tranquillement. Allez, à tout de suite.